Sevins. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Metal Stalker, sorti en 1991 sur TurboGrafx. TurboGrafx FX16. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà testé ce jeu, mais il y a de cela, mais j'avais déjà testé des jeux chez TurboGrafx, mais c'était il y a mais tellement longtemps, et du coup j'ai un petit peu, comment dirais-je, perdu l'habitude, quoi. Mais bon, on va quand même essayer de voir si on peut, comment dirais-je, essayer de renouer un petit peu le succès. Donc c'est un petit jeu de tir vu en vue FPS, dont le but est de tirer sur tout ce qui bouge. Attends, parce que là, j'ai vraiment pas envie de me faire... Voilà, super, allez. Vous avez vu? Oui, alors, donc, dans ce jeu, vous devez faire attention aux ennemis qui se pointent dans les environs. Et le but est, bien évidemment, de... Oula, attention, 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 attention. Voilà. En gros, il faut vraiment faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe à ne pas faire trop n'importe quoi. Et éviter de se faire tailler... Attends, parce que là, j'ai l'impression qu'ils me surveillent, ces gens-là. Ils me surveillent, ils me surveillent. Attendez, je vais voir si j'arrive à... Voilà, oh super, je les ai eu, je les ai eu, je les ai eu. Donc, le jeu se nomme Metal Stalker, sorti en 1991 sur TurboGrafx FX16. Édité par FaZe, pardon. Donc, j'ai aucune idée... parce que là, il y a des miradors. Il faut vraiment faire gaffe. Il faut vraiment faire gaffe parce que là, il y a des miradors. Il y a des miradors. Voilà, attention, attention. Voilà, voilà. Voilà, faire gaffe. Voilà, le jeu me rappelle trop Tank Command. Je sais pas pourquoi. Alors, attention, parce que là. Allez. Oui, mais. Non, attendez, je vais recommencer parce que là, c'est un petit peu trop dangereux. Là. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, voilà. C'est bon, on y va. Ah, mais ça va tout. Artunga. Artunga. Voilà. Attention. Non, attendez, je vais d'abord débarrasser du mirador. Mince. Zut. Ah, merde. Oh là là. J'essaie tant bien que mal de... Comment dirais-je? De... Attendez, je vais voir si... Voilà. Attendez. Attention. Faut faire gaffe. Faut pas faire n'importe quoi. Attention, ah merde, oh là là, ah, il faut vraiment que je fasse gaffe, faut pas se faire tirer, attention, oui, voilà, attention, oui, attends, qu'est-ce que c'est, ah, ça doit être probablement un, comment ça s'appelle, un tir plus, un canon mash-up, voilà, ça va dire comme ça. Alors, attendez, parce que là, il y a des canons, là, il y a encore des tanks, voilà, c'est bien. Oh, attention. Voilà, ouais, on continue. Ah, ouais, putain de merde. Oh là 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 là, bon, c'est pas grave, on repop de toute manière. Attendez, je vais essayer de voir si on peut... Ah, zut, allez. D'accord, quand c'est pas les... Je sais pas si c'est des mines antipersonnelles, mais en tout cas, elles sont bien chiantes. Attendez. Attends. Voilà. Voilà, on continue. On va voir si on peut... Oh! Bref, le jeu est vraiment pas simple. On tire, alors, donc on contrôle une espèce d'appareil qui, je sais pas si c'est un drone ou un tank volant ou je sais pas quoi. Et le but c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Le jeu est sorti en 1991, édité par un studio qui s'appelle FaZe. Et est sorti sur TurboGrafx FX16. Attention au projectile, voilà. Allez, c'est bon, on continue. Voilà, attention, parce que là, il y a encore des canons. Attends, est-ce que je peux... Ah, d'accord. Ouais. Voilà, attention. Merde. Ah, putain. Mais le guet-apens de ouf, putain. Allez. Oh là 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 là. Mais c'est fou à quel point le jeu n'est pas évident, sérieux, sans déconner. Entre les miradors, les espèces de drones là qui survolent sans crier gare,
Mais putain, mais les mecs, oh, ça suffit bon, ça suffit. Bon, ok. Ouais, j'ai fait le niveau 1, mais quelque chose me dit que le jeu ne fait que commencer. Alors, attends, on va passer par là. Ah non, non, on peut pas passer par là. Là, on peut passer par là. Ok, très bien. Oh là, qu'est-ce que c'est? 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 Ah, zut, attends, 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 attends. Attends, parce que là. Oh là, oh là, mais ouh, mais j'ai l'impression que on veut me... Ah merde, putain, mais le piège à con, putain, mais le piège à con, le piège à con! Oh là 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 là. Mais c'est fou à quel point le jeu vous pousse à faire des erreurs de débutants. Attention! Là, je sais pas ce que c'est. Je préfère de temps ne pas le savoir. Attention! Oh là, oh là, attention, 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 là. Attends, c'est parce que là, il y a... Alors, attends, parce que là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Attendez. Est-ce que... Non, évidemment, on peut pas passer par là. Attendez. Oh là 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 là, putain. Vas-y. Oh là 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 là. Bon, attends, hein, je vais essayer de voir si on peut... Ah, d'accord, on continue par là, c'est bien. Ok, bon, bah, je vais essayer de voir si je peux terminer au moins le niveau... Attends, parce que là... Attention! Bon, très bien. Oui, on extermine ça. Attendez. Voilà, je sens venir la connerie. Je sens venir la connerie. Je sens venir la connerie. Et évidemment, je peux pas m'approcher un petit peu plus. Voilà. Bon, par contre, on peut tirer en diagonale. C'est bien. Voilà, c'est bien. Attention! Oh là 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 là. Voilà. Allez. Ah, attention, parce que là, il y a encore un autre truc. Mais ils sont bizarres ces gens-là, ils sont vraiment bizarres. Je me demande pourquoi ils avancent pas. Pourquoi ils avancent pas? Pourquoi ils n'avancent pas? Putain, regarde-moi ça! Allez, allez, putain! Oh là 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 là, putain, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ouh! Ah non, mais on a quasiment l'arrière-type de... Du jeu de survie, mais en mode zob. Ah non, mais ce jeu a été programmé avec le zob, c'est pas possible, hein. Attendez. Allez, allez. Oh non, mais putain, allez! Voilà, bon, écoutez, voilà, on va se... Voilà. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est? Oui! Ouh là 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 là. Ok, ça m'a l'air d'être des un boss. Oh putain, mais j'ai l'impression de rencontrer le boss dans comment dirais-je dans Ghost in the Shell. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, ok, allez. Oh super, oh je l'ai eu! Oh là là, et du premier coup en plus. Oh là 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 là. Attends, on va voir si on peut le. Attends, on va terminer un petit peu. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ah oh, super, après les. Oh là, oh là! Oh le guet-apens de merde! Oh les putains, les putes! Oh mais les putes, sérieux! Oh là là! Regarde-moi ça! Oh là, mais regarde-moi ça! Ah non mais c'est vrai. Putain, mais le piège à pute de merde! Oui, attends. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore. Et. Ah super, je l'ai tiré à côté. Bon, on va avancer encore dans quelques petits niveaux, puis après on va s'arrêter là. Donc, je vous rappelle le titre, c'est Metal Stalker, sorti en 1991, édité par Face, dans le visage, et sorti sur TurboCraft FX. Voilà, oh, super. Là, oui, parfait, on continue. Ah, oh super. Le même boss, ouais, bah, s'ils sont deux, c'est le même boss avec... Oh, attention, 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 attention. Bon, ok, si je perds, c'est pas grave. J'aurais lutté jusqu'au bout. Oh, merde! Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je comptais m'arrêter là, de toute manière.
Oui, voilà. Non, vous savez quoi? Je préfère autant m'arrêter là parce que le jeu, franchement, il est bien, mais un petit peu pas simple sur les bords. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais fait de mon mieux. Alors, le jeu, je vous rappelle le titre, encore une fois, c'est Metal Stalker, sorti en 1991, édité par FACE et sorti sur TurboGrafx-16. Un petit jeu d'action et de tir, mais un peu pas très simple sur les bords. Je vais pas vous mentir. Franchement, il est bien, mais bon, encore faut-il savoir bien le gérer. Hein. Bon, mais à part ça, il est pas trop mal comme jeu. Il est pas trop mal. Enfin, encore faut-il qu'il ait trouvé son public. Si bien sûr il y en a un. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est bien comme d'hab. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, et ben salut. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.